Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et avant de te parler de quoi que ce soit, je vais d'abord éclaircir sur ce qui s'est passé à mon œil. Parce que oui, je sais, comme tu peux le voir, c'est quelque chose qui saute un peu aux yeux. Mon œil est quand même pas mal gonflé. Et je sais qu'il y a certainement des personnes qui vont se demander qu'est-ce qui m'est arrivé. Alors, pour être tout à fait honnête, j'en sais rien. Je me suis pas fait casser la gueule, je me suis pas battu avec personne. Je me suis réveillé ce matin et en me regardant dans le miroir, j'ai vu qu'il y avait cet œil qui s'était gonflé tout seul. Je fais mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Et du coup je sais pas, je me suis réveillé comme ça, j'ai vu mon œil gonflé et je pense qu'à mon avis ça doit être une petite irritation, rien de trop grave. Mais bon bref, la parenthèse a été faite, je suis pas là pour te parler de ça, parce que tout à l'heure je me suis connecté sur mon compte YouTube et j'ai remarqué qu'on s'approchait des 1000 abonnés. Et je voulais prendre le temps de remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube jusqu'à présent. Il y a pas mal de hauts et de bas sur YouTube et franchement je suis quand même content d'atteindre ce cap. Et pour inaugurer ce passage des 1000 abonnés, j'avais pensé faire une vidéo FAQ, une vidéo où vous allez me poser des questions, ça peut être des questions par rapport à la muscu ou au catch, et je vous répondrai. Mais je vais te parler de ça plus en détail à la fin de la vidéo, et d'ailleurs tu peux aussi m'ajouter sur Instagram, je suis pas mal actif sur Instagram et je mets des actualités par rapport au catch et à la muscu. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets mon Instagram juste ici, Bjorg010. Et d'ailleurs, tant que je suis dans le thème du catch, je vais revenir rapidement sur le show que j'ai eu il y a un petit peu plus de 2 semaines à Victory Ring. Victory Ring, c'est une promotion qui est assez populaire ici au Québec, et il me semble que c'est la première fois que je parle de cette fédération sur ma chaîne YouTube. Et franchement, cette promotion fait partie de l'une de mes promotions préférées ou catchées. Et je te dirais même qu'elle fait partie de mon top 3. J'aime beaucoup l'atmosphère, la production et la qualité des shows. J'aime la manière dont c'est filmé. T'as un caméraman qui se balade un peu autour du ring et ça te donne des angles de caméra assez cool. Et dans ce show-là, je me suis retrouvé dans un match à 3, triple menace, donc chacun pour soi, avec 2 très bons catcheurs avec qui j'ai déjà catché individuellement. Et avant que je parte à la salle pour faire un entraînement jambes que je vais te partager juste après, je vais te passer quelques extraits du show et du combat dans lequel j'étais impliqué pour que tu puisses avoir une idée de à quoi ressemble un show Victory Ring. Et si jamais ça te plaît, bah d'ailleurs n'hésite pas à aller les soutenir sur leur page Facebook. Je vais te mettre les liens en bas dans l'espace commentaire. This minute.
Bon, d'accord, ok, j'ai pas gagné le match, mais je l'ai pas perdu non plus, parce qu'on m'a pas rivé les épaules au sol, donc techniquement, j'ai pas perdu. Mais j'ai pas gagné, mais j'ai pas perdu non plus. Mais bon, c'est pas ça qui compte, le plus important, c'est de divertir le public et de satisfaire le promoteur. Si tu réunis ces deux choses-là, c'est sûr que tu vas être rebooké pour les prochains shows. Et là, il va être l'heure pour moi d'aller m'entraîner, je vais aller faire une séance jambes à la salle, mais avant de partir pour la salle de sport, je vais d'abord manger un petit truc, parce que j'ai la dalle. Qui dit entraînement jambes dit un snack digne de ce nom, et là je t'ai préparé quelque chose qui va me donner pas mal d'énergie et de calories pour mon entraînement. Donc pour te faire simple, en résumé, au menu on a 3 galettes de riz avec du beurre de cacahuète et de la confiture qui sont juste ici. Avec ça, je vais prendre une mangue. La mangue, c'est l'un de mes fruits préférés. Et pour accompagner ça, je vais prendre du fromage blanc grec. C'est très bon comme source de protéines. Et pour accompagner ça, je vais mettre un petit peu de miel parce que je trouve que le fromage grec nature, c'est un peu dégueulasse au niveau du goût. Et rajouter un petit peu de miel, ça, non seulement ça va me rajouter des calories, mais en plus, c'est aussi très bon au niveau du goût. Dans cet entraînement, je vais plus me concentrer sur mes ischios plutôt que mes quadriceps, parce que mes quadriceps sont plus dominants par rapport à mes ischios. J'ai toujours eu un point fort quadriceps. Et si je néglige un peu trop mes ischios et que je mets pas assez d'accent dessus, mes quadriceps vont encore devenir plus gros et ça va créer un déséquilibre. Donc dans cette séance, je vais faire plus d'exercices qui vont cibler les ischios que d'exercices qui vont cibler les quadriceps. Il y a juste le premier exercice que je fais dans la séance qui va travailler les jambes de façon globale et c'est le squat à la machine. Pendant une période, je faisais pas mal de squats à la barre mais j'ai arrêté d'en faire dernièrement parce que j'ai remarqué que ça me provoquait pas mal de tension dans le bas du dos. Notamment avec le catch où le bas du dos prend quand même pas mal cher, donc c'est pour ça que je dois programmer mes entraînements en conséquence et en fonction de mes ressentis. Et c'est pour ça que j'ai remplacé le squat à la barre par le squat à la machine parce que ça me provoque moins de tension dans le bas du dos et je récupère mieux. Ensuite, les autres exercices que je vais faire, par exemple avec les fentes, je vais faire l'exercice en faisant des assez grands pas pour mettre plus l'accent sur les ischios. C'est aussi un exercice qui va travailler les jambes de manière générale, mais en fonction de l'amplitude que tu prends, tu peux cibler un muscle plus en particulier. Pour les fentes, plus tu vas faire des grands pas, plus tu vas cibler les ischios et fessiers. Et à contrario, plus tu vas faire des petits pas, plus tu vas cibler les quadriceps. Et les deux derniers exercices que je fais, c'est deux exercices d'isolation qui vont vraiment isoler les ischios. Il y a le leg curl qui est un exercice qui est beaucoup utilisé et qui est très efficace pour travailler les ischios. Et à l'exercice d'extension des ischios, j'ai oublié le nom exact de cette machine, mais je sais que c'est une machine qu'on peut retrouver dans certaines salles de sport. Et cet exercice, c'est vraiment un truc qui défonce les ischios. Et ça, c'est un exercice que je fais à toutes mes séances jambes. Et franchement, si jamais tu as l'occasion d'essayer cette machine, je te le conseille parce que c'est vraiment efficace. Donc pour te résumer mon entraînement, ça va se résumer sous 4 exercices. Un exercice qui travaille les jambes de manière générale et les 3 autres exercices avec un focus sur les ischios. Je vais te mettre le résumé de l'entraînement en bas dans la description de la vidéo. Mes jambes ont bien été assassinées pendant cet entraînement, donc on peut en conclure que l'objectif a été atteint. Et d'ailleurs, ça va me mener à la conclusion de cette vidéo, et je voulais encore prendre le temps de remercier les personnes qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début. On va passer le cap des 1000 abonnés ici dans quelques jours, et pour moi, c'est quand même un cap important, malgré que ce soit minuscule à l'échelle d'autres youtubeurs. Mais je suis pas là pour me comparer aux autres, je suis là pour créer mon propre chemin. Je vais faire un post ou un short ici dans les prochains jours pour que vous puissiez me poser vos questions par rapport à cette vidéo. Je vais toutes les rassembler, et une fois que j'aurai toutes vos questions, je vais faire la vidéo spéciale 1000 abonnés. Tu peux même déjà commencer maintenant si tu veux et me poser ta question en bas dans l'espace commentaire. Et d'ici là, j'espère en tout cas que la vidéo que je t'ai partagée aujourd'hui t'a plu. Et si c'est le cas, ben n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !